Mais qui donc est Dieu? C'est la question que beaucoup se posent et c'est le thème que nous allons aborder dans cette vidéo. Dans la liturgie des heures, c'est-à-dire dans la prière quotidienne que font les personnes consacrées ou non, on trouve cet hymne très beau qui s'intitule justement « Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?» Voici le contenu de cet hymne. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour se lier d'amour à part égale? Qui donc est Dieu s'il faut pour le trouver un cœur de pauvre? Qui donc est Dieu s'il vient à nos côtés prendre nos routes? Qui donc est Dieu qui vient sans perdre cœur à notre table? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant l'homme? Ce beau chant, qui est à la fois une belle prière, ne s'adresse pas directement à Dieu, mais parle de lui sous forme de questions successives. Mais il n'est pas interdit de transformer cette prière, ce chant, en passant de la troisième personne du singulier à la deuxième personne, pour en faire une prière qui non seulement parle de Dieu, mais parle à Dieu. Et ça peut donner ceci. Mais qui es-tu donc, Dieu, toi qui nous aimes d'un amour si fou, nous les fils de la terre? Qui donc es-tu, Dieu, toi si démuni, si grand, si vulnérable, parfois si lointain, si inaccessible? Qui donc es-tu, toi, Dieu, qui te lie avec autant d'amour à part égale? Oui, Seigneur, qui es-tu s'il faut pour te trouver un cœur de pauvre, un cœur dépouillé, capable de se déposséder de tout? Oui, qui donc es-tu, Dieu, toi qui viens à nos côtés pour prendre nos routes, pour marcher avec nous? Toi, le Dieu avec nous dans nos joies comme dans nos peines? Qui es-tu, Dieu, qui vient sans perdre cœur à notre table, toi qui t'invites chez nous, en nous? Qui es-tu, Dieu, que nul ne peut aimer s'il n'aime pas son prochain? Qui donc es-tu, Dieu, qu'on peut si fort blesser en blessant l'autre? Cette prière, déjà un peu plus intime, chers amis, met la personne qui cherche Dieu, qui cherche à connaître Dieu, en dialogue avec lui. C'est quand même mieux de chercher Dieu en s'adressant directement à lui plutôt que de se demander s'il existe vraiment en posant la question à ceux qui ne le connaissent pas, peu ou mal, à ceux qui l'ignorent ou qui le rejettent. Vous allez me dire que c'est complètement idiot ou paradoxal que de chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas encore ou qu'on n'a pas encore trouvé en lui parlant intimement dans un cœur à cœur. Alors en parlant de cela, on comprend mieux la parole de l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens, c'est-à-dire aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit ceci: la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est peut-être une folie de la part de Dieu de permettre à l'être humain de le chercher, de l'aimer et de lui parler avant même de le connaître. Mais si cette folie de Dieu est plus sage que les hommes, on peut dire aussi que grâce à cette folie, la rencontre avec Dieu est possible à tout moment. Car s'il est possible de vivre sans connaître Dieu et toutes les réponses à nos questions, il est impossible de grandir intérieurement sans se poser des questions. Et vous le savez, poser les bonnes questions, c'est avoir déjà une moitié de réponse. Quelle est notre raison de croire, de vivre, d'espérer et d'aimer? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? La souffrance, le mal et l'échec? Pourquoi la violence, les guerres, l'injustice et la corruption à l'échelle mondiale? Face à toutes ces questions existentielles, Dieu, pour beaucoup, est plus une énigme, un mystère ou une ineptie qu'une source d'inspiration pour y trouver des réponses. Comme diraient certains, si Dieu existait, ça se saurait. Et il n'y aurait pas tous ces malheurs,
ces guerres, ces injustices ou ces violences. Pour illustrer autrement ce propos, je fais volontiers appel à ce personnage littéraire que nos jeunes connaissent bien. Dans la saga des romans de Harry Potter, Lord Voldemort, qui est la personnification même du mal absolu, est appelé « celui dont on ne doit pas prononcer le nom ». Alors, toute proportion gardée, concernant Dieu, on pourrait dire qu'il est celui dont on ne peut pas ou dont on a du mal à prononcer le nom, tellement il est insaisissable, parfois inaccessible, lointain ou incompréhensible. Et pourtant, il est la clé de tous les mystères ici-bas. Il est à lui seul la réponse ultime à toutes nos questions, à tous nos pourquoi. L'apôtre Pierre, dans l'évangile de Jean, l'avait bien compris et exprimé. « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Alors, durant ce temps de carême qui nous prépare aux fêtes de Pâques, les chrétiens sont appelés à revenir de tout leur cœur vers ce Dieu de Jésus-Christ qui incarne les paroles de la vie éternelle. Cette conversion du cœur n'est pas forcément un chemin facile. Elle ressemble parfois et souvent à une traversée du désert. J'ai beau chercher, je ne peux pas trouver. J'ai beau essayer de croire, mais le doute persiste. D'ailleurs, qu'est-ce qui me prouve que Dieu existe vraiment ? Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait me prouver qu'il n'existe pas ? Chercher Dieu ou ne pas le chercher, croire en lui ou ne pas croire en lui, laissera toujours l'humanité dans cette double tension à vivre. Croire ou ne pas croire, comprendre ou ne pas comprendre. Saint Augustin, au 5e siècle de notre ère, a longtemps cherché à connaître Dieu. À la question « Dieu existe-t-il ? » il apporte la réponse suivante, un texte très connu. « J'ai longtemps erré comme une brebis égarée. Je l'ai cherché dans les merveilles, je t'ai cherché dans les merveilles que tu as créées. J'ai demandé à la terre si elle était mon Dieu. Elle m'a répondu que non. Je l'ai demandé à la mer, à ses abîmes. Tous les êtres qu'ils contiennent m'ont répondu « Cherchez-le au-dessus de nous. » J'ai interrogé le ciel, la lune, le soleil, les étoiles. Toutes m'ont répondu « Nous ne sommes pas votre Dieu. » Maudit soit l'aveuglement, dit saint Augustin, qui m'empêchait de te voir. Maudite soit la surdité qui ne me permettait pas d'entendre ta voix. Sourd et aveugle que j'étais, je ne m'attachais qu'aux merveilles de ta création. Je me suis fatigué à te chercher hors de moi, toi qui habites en moi, pourvu que j'en ai le désir. J'ai parcouru les bourgs et les places publiques et je ne t'ai pas trouvé, parce que je cherchais en vain ce qui était en moi. Mais tu m'as éclairé de ta lumière. Alors je t'ai vu et je t'ai aimé, car on ne peut t'aimer sans te voir, ni te voir sans t'aimer. Autant malheureux où je ne t'ai point aimé. » Donc pour saint Augustin, cela ne fait aucun doute, l'existence même de l'univers et sa beauté sont autant de signes de l'existence de Dieu. Cette réponse de saint Augustin nous renvoie en même temps à nos errances dans notre recherche de Dieu et à nos aptitudes à le trouver, à condition que nous gardions les yeux et le cœur grand ouvert, à condition que nous soyons avec nos oreilles à l'écoute de la vie du monde, que nous sachions contempler, admirer et apprécier ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est vrai. Car si nous nous attardons à regarder d'abord ce qui ne va pas, ce qui est mauvais, ce qui est mal ou tragique, notre goût pour chercher Dieu, pour vivre l'espérance, peut disparaître ou s'atténuer grandement. L'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, exprime très clairement comment le chrétien peut tenir bon, ferme dans la foi, même si les malheurs le guettent. Il dit ceci en parlant de la résurrection. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine,
l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car, dit saint Paul, notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et, ajoute-t-il, notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Dixit saint Paul. Chers amis internautes, pour finir cette petite réflexion, je souhaite à tous de vivre dans les jours qui viennent, de vivre un bon carême et un bon temps de Pâques, comme un beau printemps, et dans vos cœurs et dans vos vies, où viennent fleurir les fleurs de l'espérance, de la vie, de la joie, de la paix, les fleurs de l'amour, et j'espère que vous trouverez le magnifique jardin de la rencontre avec Dieu. Mais je vous le dis déjà, comme pour saint Augustin, cherchez bien en vous. Il est là, présent en vous, au milieu de vous, à vos côtés, avec vous et dans toutes les personnes que vous pourrez croiser. Alors, à toutes et à tous, bonne marche vers Pâques et bon temps de printemps.